Ascension du Corcovado à Rio de Janeiro en janvier 2010. Alors le mieux pour le grimper, c'est faire ça dans l'après-midi. En fin d'après-midi, c'est il fait moins chaud, il y a moins de soleil. Ah super. Et on va suivre le diadre. Il y a environ une demi-heure de marche pour arriver à la base. It's the second beach and it's really difficult for this reason. And... Yeah, we wanna do a film. Yeah. Tout au long du chemin, on voit tous les détritus qui étaient jetés à l'époque du restaurant qui est situé au sommet du Corcovado. C'est vraiment très très sale. La voie est vraiment magnifique, on voit toute la ville, toutes les plages. C'est pas très difficile, c'est du 5+. Mais les points sont très espacés. Quelquefois il faut faire 5 à 6 mètres avant d'avoir le premier point. J'ai fait cette ascension avec un guide local, Flavio Daflon, qui a une école d'escalade. There is one good hook to the right. Yeah, there. Il est arrivé au sommet, on est arrivé juste à temps car il a commencé à pleuvoir.
aller sur son site où avec lui j'ai réalisé aussi le pain de sucre. Vous pouvez voir la vidéo.